Parmi ces interprètes, cet ensemble de textes, un inédit de Julien Gracq. Alors on parle de Julien Gracq, mais pour être exact, il faut dire que ce n'est pas un texte de Julien Gracq, puisque c'est un texte signé Louis Poirier, donc le véritable nom de Julien Gracq, s'agissant d'un texte d'importance, effectivement inconnu des spécialistes, pas du tout référencé où que ce soit. Il a été rapidement envisagé que ce manuscrit rentre dans une collection publique, qui ne part pas chez un privé en France ou à l'étranger. La région n'est ni un lieu d'achat, ni de conservation de manuscrits, ni de prêts. Donc, cependant, vu son investissement dans la maison de Julien Gracq et son intérêt pour la connaissance de son œuvre et sa valorisation, la région s'est positionné pour acheter ce manuscrit. Oui, non, je peux dire que ça, c'est le grand écrivain classique. Il n'y en a pas d'autres après qui atteignent cette plénitude d'écriture et de pensée. Et quand on sait, on parlait de ce qui pourrait être édité de Gracq à l'avenir, quand on voit ce qui vient de sortir, que vous avez dit Emmanuel tout à l'heure, les nœuds de vie qui sont d'une beauté exceptionnelle, enfin pour des textes qui n'ont pas été publiés, on pourrait dire que c'est des fonds de tiroir, mais c'est des fonds de tiroir absolument prestigieux. Quoi. Et il y en a d'autres qui nous attendent, il faudra patienter jusqu'en 2027. 2027, oui, pour moi, oui. Pendant que j'écris, j'ai devant moi le plus beau des paysages. La Loire coule devant moi, très doucement, vers la mer proche. Partout, les beaux coteaux des Mauges la couronnent. Il y a des feuilles aux arbres, et les arbres des vergers sont en fleurs. Mais les feuilles, pour moi, n'ont plus d'épaisseur ni de couleur, et les fleurs n'ont plus de parfum. J'entends la bêche du jardinier qui retourne un carré de terre. La terre est sèche, l'acier crisse inlassablement. Vous ne le voyez pas, vous, mais il n'y a plus là que cette Loire de vivre. Dans ce cirque de coteaux, elle épuise sans cesse la vie vers l'ouest, tout doucement vers la mer proche, plus loin là-bas, tout au bout de la presqu'île déserte, vers la petite ville sombre qu'elle habite.